Il faut créer des émotions avec votre patient ou avec votre client. Vous devrez devenir un spécialiste. Vous devez devenir une référence. Ne pensez pas petit. Pensez grand. Vous avez le droit. Vous êtes en train d'écrire votre histoire. Ne trouvez pas des excuses. Excuses de temps, excuses d'argent. Il y a toujours ces deux excuses. Si vous avez l'excuse de temps, c'est parce que ce n'est pas votre priorité. Mais je ne comprends pas comment ce n'est pas votre priorité si c'est votre travail. Comment ce n'est pas votre priorité si vous n'êtes pas satisfait dans la façon que vous travaillez. Il faut que ce soit votre priorité. Et la question de l'argent, l'argent c'est aussi une priorité. Excusez-moi, parce qu'on va réfléchir ensemble et sincèrement. On est là pour parler sincèrement. Si vous n'avez même pas l'argent pour payer une formation, c'est parce que la situation est très grave. Vous allez rester dans ce cercle vicieux le reste de votre vie. Parce que pour sortir de là, il va falloir des stratégies concrètes pour y arriver. Je parle avec vous, professionnels de santé, et je connais profondément vos douleurs. Je passais par là. Je suis venue en France, j'avais zéro l'argent. Tout est une question de priorité. Quelle est votre priorité? Vem comigo!